Figurez-vous que le marché anti-ondes dont vous parliez il y a un instant, chez nous, ben, ça marche très bien. N'est-ce pas, Julia? Sur Internet, c'est un gros carton très récent, mais un gros carton. On a une dizaine de distributeurs sur la toile qui vendent des vêtements anti-ondes. Et c'est vrai que ça cartonne. Alors, les vêtements anti-ondes, ça va être des bandeaux de grossesse, beaucoup de choses autour de la grossesse et évidemment du vêtement pour bébé, les bonnets, les choses comme ça. Vous allez avoir des plaids, des couvertures, puis alors des ceintures de protection qui se vendent énormément pour hommes et pour femmes, qu'on met sous les vêtements, quoi qu'il arrive, tous les jours. Des pyjamas écrans, des ceintures de protection. Et la nouvelle tendance, c'est les rideaux. Et alors, celui que je trouve le plus esthétique, c'est le lit à baldaquin anti-ondes, qui est quand même assez étonnant. Et alors, le plus gros carton, William, sur Internet, ce sont les caleçons, hein, qui sont les plus plébiscités. 99% des ondes sont repoussées grâce à ce genre de caleçons qui sont tissés en fil d'argent. Voilà. Tissés en fil d'argent ? Oui. Là ? Oui. C'est bizarre. Ça repousse 99% des ondes. C'est un caleçon qui est joyeux et précieux. Oui, il y a la collection des joyeux, la collection des précieux, c'est le nom des modèles. Oui, c'est les bien nommés. Bonjour, j'ai un joyeux. Ben, bien sûr. Moi, c'est précieux. Et moi, c'est précieux. Merci beaucoup.